Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 4 mai 2023, il est 18h59 désormais. Ce soir, on va faire un petit stream. Bienvenue Lexouille qui vient pour la première fois. Alors, c'est pas forcément les streams les plus représentatifs de ma chaîne. Quoique, en vrai, je sais pas s'il y a un type de stream qui est représentatif en particulier. À le sortir de la drogue au moment où il vient se droguer. Merci beaucoup Nuage Solitaire pour ton année et demie de sub. On va jouer à Mario Kart 8 Deluxe avec les viewers. Si jamais vous voulez venir, préparez vos Switch, préparez-vous à entrer un code de tournoi que je vous donnerai dans 5 minutes. Et on va aussi jouer, les gens du chat vont pouvoir jouer à Prono Kart. Alors Prono Kart, qu'est-ce que c'est? Évidemment, vous pouvez utiliser la commande point d'exclamation Prono Kart pour voir ça avec une image ou une vidéo au choix. Mais grosso modo, l'idée, le but du jeu, c'est que tous les viewers qui sont followers sur cette chaîne peuvent jouer et faire un pronostic sur sur la place que je vais faire à la fin de chaque course. Alors évidemment, c'est totalement gratuit. Rien à voir avec les jeux de paris en ligne de merde, etc. Le but, c'est vraiment juste de s'amuser et d'avoir un petit jeu dans le jeu pour les gens du chat qui regardent. Et donc ça vous permet de gagner des points qui ne sont pas les points de chaîne de Twitch, qui sont des points à part qu'on remet à zéro après chaque session de Prono Kart comme ce soir. Après ce soir, ce sera remis à zéro. Et le but, c'est d'arriver le plus haut possible dans le classement du jour, sachant que plus vous faites des pronostics risqués, plus vous aurez des points s'ils sont justes. Mais évidemment, les pronostics un peu plus safe sont souvent plus sûrs, bien sûr. Voilà, voilà. Voilà, voilà, salut Thomas, salut toutes celles et ceux qui sont dans le chat, Erin, Petit Matt, Julius, etc. Ok. Eh ben, écoutez, je vais lancer le jeu. Non, je suis pas spécialement fan de Zelda, Julius, mais par contre, j'ai un énorme faible pour les musiques, par contre. Ça, par contre, c'est vrai. C'est à vous que cela revient. Merci Tonino d'avoir offert un sub à Lexou, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci, merci. Luigi Kart 8. Très bien. Ok, je vais créer un petit tournoi là. Donc je vais mettre le code dans le chat d'ici une minute ou deux. Plutôt deux. Donc pour rejoindre, il vous faut Mario Kart 8 Deluxe, une Switch et l'abonnement Nintendo Switch Online là. Et il faudra aller dans jeu en ligne, tournoi, entrer un code. Et là vous entrez le code que je vais mettre dans le chat, dans la section entrer un code de la catégorie tournoi pour celles et ceux qui veulent me rejoindre sur Mario Kart directement et donc jouer contre moi à Mario Kart. Le tournoi s'intitulera Annick Girardin 12. 162, pardon, il manquait un chiffre. 162, Annick Girardin, 162. On en est au 162e tournoi Annick Girardin. Je pensais à 12 parce que on va mettre 12 courses. Les objets, on va laisser en mode normal pour le premier tournoi. On laisse la conduite assistée parce qu'il y a des gens qui la réclament. La période, on va mettre du 4 au 5, c'est parfait. Je ferai pas plus de 4 tournois, donc pas besoin de libérer des slots. Et accès, code requis. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ça me paraît pas mal tout ça. Ok, et ben je vais vous mettre le code dans le chat. Tu joues sur les circuits du DLC. Alors quand on joue online, on a le choix entre 3 circuits et ils nous filent 3 circuits aléatoires et on vote pour celui qu'on préfère. Et donc ça peut tomber sur des circuits du DLC ou pas du DLC. Les deux sont possibles. Voici le code dans le chat. Excusez-moi.
de vous avoir toussé dans les oreilles. Hop là. Ah, donc là, par exemple, on nous propose deux circuits, pas du DLC. Un circuit du DLC et un circuit aléatoire qui peut être un circuit du DLC ou non. Alors, bon appétit d'avance, Alexouille. Et nous sommes actuellement 5, j'aurais bien réglé Prono Kart sur 5 joueurs, à moins qu'il y en ait de nouveaux qui rejoignent avant que la course se lance. Mais je pense que ce sera bon. Salut Luigi, Tony, Overwatch, Pito. Coucou à vous. Et je crois qu'on va commencer à 5, hein. Ah, on va commencer à 6 plutôt, j'ai l'impression. Ouais, on va commencer à 6, très bien. Il y a encore de la place, hein, Gondar, si jamais. Hein. Ok, ce sera sur Montagne Choco, vous pouvez faire vos pronos à partir de maintenant. Donc il y a 6 vraies personnes et 6 bots. La place qui rapporte le moins, c'est la deuxième. Elle rapporte 100 points. Et celle qui rapporte le plus, c'est évidemment la 12e avec 1879 points. Mais bon, sachant qu'il y a des bots, bon, faut quand même tomber dessus, quoi, la 12e. Oh, Caro, Caro, alors Caro, je me demande si c'est pas la personne que j'ai vue dans le chat qui avait MK dans son pseudo, c'est jamais bon signe. Hein. Une personne qui a MK dans son pseudo, en général, ça pue, hein, on va pas se mentir, ça sent pas bon et ça prend pas beaucoup de douche, hein, en général. Hein. Ok, c'est parti, et c'est la pièce en deux. Un peu décevant la pièce en deux, on va pas se mentir. Bon, je vais me prendre une caillasse, hein, c'est bon. Alors. Ouais, on va aller chercher ces petites pièces là. Oui, donc je pense que c'était ça, hein, la personne qui s'appelle Caro, je pense que c'était Caro MK dans le chat. Ah, oh, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est mieux ça comme objet déjà. Un peu dangereux ce que j'ai fait. Y'a pas de bleu? Pas une petite bleue? Ah voilà. Alors attendez, comment ne pas se la prendre par contre? Parce que là, elle va nous arriver en plein au milieu du chemin. Hein. Ok. J'aurais peut-être dû balancer maintenant, en vrai. Putain, c'est bien vu, c'est bien vu. J'ai tout misé, là. Et bah, ce sera une deuxième place. Et bah, écoutez, c'est celle qui rapportait le moins. Mais voilà, Prono Kart a encore su... Prono Kart a encore su bien trouver la place la plus probable. Bravo à Prono Kart, bien sûr, et bravo à toutes celles et ceux qui ont fait le Prono 2 du coup et qui ont gagné les 100 puntos. Bravo. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. En vrai, petit Animal Crossing, moi je suis chaud, allez. Je me lave, je vous le jure. Non, 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 Caro, tu ne te laves pas. Stop. Non, 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 non. Salut Apu. Non, ça a pas commencé il y a longtemps. C'est la première course qu'on faisait là. Et voilà les pronos qui commencent. Alors que nous sommes désormais 8 joueurs réels.
La place qui rapporte le moins, c'est toujours la deuxième, mais maintenant elle rapporte 131 points, et celle qui rapporte le plus, c'est la douzième, évidemment, qui rapporte 1755, alors que la première rapporte 218. C'est parti. Ouais bah me collez pas trop près hein. Oh, j'ai raté les piécettes. Roi Bou. Le problème c'est que si je prends ça, Roi Bou il va me fumer juste après. Ah c'est bon. Putain, dis-moi... Non, il a pas de dodge l'éclair, on peut pas dodge l'éclair avec ça. Ah ! C'est horrible. Ça m'a empêché, ça m'a cut ma trage pour avoir un objet. Du coup, je peux me retrouver saucé à tout moment. Hein ? C'est quoi ce... What ? Ah, j'ai hésité à viser le... Waouh. Oh, il y avait un petit champlard juste là. Non mais il y a tellement d'objets sur la route, c'est fou. Merde. J'ose pas prendre cet objet là. Eh bien, c'est un top 1 sans l'aide d'aucun copain. Bravo toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la première place. Félicitations. Bing, bing. Doutou, ding, ding. Et Warionette qui, pour l'instant, domine ce classement puisque Warionette a fait les deux bons pronos. Félicitations. Oh, pitié. Ah, on est encore plus que 8 là. On est au moins 10. Eh bien, ce sera Bangkok. Vous pouvez faire vos pronos sur Bousculade à Bangkok. Les codes sont calculés sur le fait qu'on soit 10. Toujours la deuxième place qui rapporte le moins avec 121. Et celle qui rapporte le plus, bah toujours la douzième avec 1791, bien sûr. Très belle map. Let's go. J'aime pas du tout ce que le jeu nous propose là. J'aurais peut-être dû aller chercher les piécettes là-haut. Complètement con ce que je viens de faire. En vrai, pourquoi pas. Putain, Peach, casse-toi! Wouah, je me sens... Ah, elle est tellement venue de l'espace, celle-là. J'aurais dû garder le champlard. Non, attendez. Mec. Non, mais d'où? Oh, l'objet a chié. Oh, c'est une catastrophe.
Merde, j'ai lancé cette verte sans faire exprès. Oh, elle a failli m'arriver dans la tronche. Crotte. Ils sont pas au meilleur moment cette affaire pour moi. Franchement, je me suis bien démerdé, je me suis bien rattrapé sur la fin. Bravo à toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la troisième place. Et il y en a eu. Il y a eu Dib, Dombellion, Pitimat, Poel, Mouton, Pito, Apu et Luigi. Félicitations à vous pour les 152 points. Je referai un deuxième lobby après, Ninu. Je pense que je referai un deuxième lobby après, quoi qu'il arrive. Si jamais tu n'as plus de place actuellement. Ouais, effectivement, on est 12. Bon. Circuit Mario 3, c'est parti. Vous allez avoir une trentaine de secondes pour faire vos pronostics, bien sûr. La première place rapporte 269, celle qui rapporte le moins, c'est la troisième avec 105 points seulement, alors que la douzième rapporte 1621, et je ne joue que contre des vraies personnes, et il n'y a plus de bots désormais. C'est parti. Je suis dans la merde avec mes vertes là. C'est très bien joué cette banane, y'a rien à dire. C'est carré. Après, ça peut être une map qui se remonte un peu en vrai. Hein. Après, il faut espérer avoir les bons objets. C'est pas trop mal ça en vrai. Hein. Oh, j'ai réussi à filer ma carapace à quelqu'un d'autre, c'est parfait. Putain. C'est parfait. J'aurais jamais dû faire ça par contre. J'ai voulu flex sur sa tronche. Oh vas-y le bout. Non mais vous avez vu la synchro du bout. Non mais c'est scandaleux ça. Enfin, la bleue par contre ça me plaît. Il y a un champ plat hein. Il n'y a pas de champ plat. Je vais pas tenter n'importe quoi. Ça c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Bravo à toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la deuxième place, je suis quand même bien remonté. Vraiment désolé à la personne qui s'est pris une verte à la fin. C'est Mouton qui est en tête du classement actuellement. Félicitations Mouton, suivi par Pito et Dib. Bravo Odor pour le prono. Salut Maïvou. On est plus que 10. Ah bah y'a deux places qui se sont libérées si jamais y'a des gens qui veulent rejoindre.
Et ce sera Amsterdam. C'est parti. Ok. Salut, Rouflaquette. C'est parti. Ça va être chaud. Ah, bon. Désolé pour ça. Joie R. Merde, bah joie R. Pas trop la map là. Ah, quel objet à la con ça quand même. Je sais pas si ça sert à quelque chose de viser le top 1. Hein. La personne première est tellement loin en vrai. Moi, je pense que ça sert à rien. Hein. Non, c'est déjà franchi la ligne d'arrivée là. Et bah c'est deuxième encore. Bravo toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la deuxième place à nouveau. Salut Kirby Kick. Qui c'est qui a gagné 125 points? J'ai pas vu. Ah, petite loutre, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ouais, Caro, très très gros niveau effectivement, Erin. Salut Gwim, ça va et toi? Tu es à combien de courses? Ah bah on va regarder. J'ai pas regardé, je me souviens pas. Je dirais qu'on en a fait 4 ou 5. On va regarder au début de la prochaine si on y pense. C'est low, hein. Le jeu est très très low. Ah, Montagne Chocobo, on l'a déjà fait, c'est un peu dommage, mais bon. C'est parti pour les pronos pour Montagne Choco. Nous sommes 11 vrais joueurs et apparemment c'est la 6ème course d'après Luigi. Tout à fait. C'est parti. Bon, moi ça me dérange pas tant que ça, Montagne Choco, parce que même si c'est une map qui est pas hyper appréciée, moi c'est vraiment. Peut-être ma map préférée du premier DLC en vrai. Donc vraiment, il n'y a pas de souci moi avec cette map. Très très client. Ah, du coup j'ai eu la pièce. Unlucky. Parce que en plus là, Zaza Time, bon. C'est criminel ça par contre. La bombe va faire très mal. Ok, ça va.
Ça, c'est juste inesquivable, ça. Vraiment, il n'y a rien à faire. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai voulu grid l'objet. C'était évident que j'allais pas l'avoir. Oula. Les mains bien à plat. Merci Magikarp pour l'abonnement de niveau 3. Merci beaucoup. Bienvenue dans ton 47e mois. Qui mange un Ponyta mange un œuf. Merci pour le proverbe, hein, bien sûr. Cette game est catastrophique pour moi pour l'instant. Les pronodis qui sont en train de se régaler, en train de croiser les doigts pour que ça ne bouge pas. Ouais. Ah, j'ai appuyé très vite parce que j'ai tellement pas envie de me prendre la bleue. Oula. La personne avec les vertes juste à côté de moi, je peux rien faire. Je suis encerclé de deux personnes avec trois carapaces vertes. Chacune. Pitié. Je suis même pas sûr que les pronos 10 vont suffire là. Hein. Je crois que ça va être 11, 12e. Je peux pas utiliser ma... Oh, c'est une catastrophe. Je peux pas utiliser mon build. Je suis bloqué par le champi. Et bah c'est 11e. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient tenté ça à la 11e place? Oui, Vividono. Oh putain. Vividono qui a joué tapis. Et qui a pas mal d'avance désormais. Vividono qui se met plutôt bien sur cette action. On va pas se mentir. Rien n'est joué néanmoins, rien n'est joué bien sûr. Ah, je me suis pris karma sur karma. Hein. La fin était terrible. Salut Asti. Et ce sera le Dojo Ninja. C'est parti. Bon voilà, vous voyez du coup les cotes qui ont un peu bougé. Renault Kart qui s'est dit, ah ouais, pas si fort JD. Pim, 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 pim. Parmi les champions des champions. Merci beaucoup Héloïse pour ton 39e mois, merci. Merci beaucoup. Pas ouf cet objet à cet endroit là, je pense. Ouais. Au moins ça nous permet de restart rapidement. C'est pas plus mal. Désolé Aerin. Alors que Caro est loin devant. Alors la bleue. Comment va la dodge? Ouais. Je passe jamais par là, putain. Et c'est un peu de la merde en vrai, donc je comprends pourquoi je passe jamais par là. Je suis même pas au bon étage pour prendre le cut en fait. Bon bah de toute façon j'aurais pas eu le cut. Oh c'est une catastrophe.
Oh, j'ai eu peur sur la fin. Oh là là, la fin aurait pu être dramatique. Bravo à toutes celles et ceux qui ont fait le prono 3. C'est 344 points dans la besace et c'est vraiment pas mal. C'est un bon gain de points en vrai. Ok, ok. Ah, terrible, Emeline Day, la malédiction du prono. Ouais, loin de Vividono, mais après, le tapis de Vividono, ça marchera peut-être pas plusieurs fois aussi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas dit que Vividono regagne des points, tout dépend de la stratégie qui va être adoptée par la suite, quoi. Ce sera le pays neigeux. Huitième course. Très bien exécuté le cut, bravo. Ah, peut-être pas tant que ça en fait. Ok. Ça m'a perturbé ce bout. Tenter le cut. Ah, ça passe. Par contre, ça c'était à chier malheureusement. Ok. Oh, je suis à chier. La hitbox des pingouins était un peu vénère. Très très low ça. On n'est pas bon là hein. J'ai pas vu la banane, elle était bien cachée. Stop, arrêtez de me harceler s'il vous plaît. Ah, le bill, faut que tu m'aides hein. Faut que tu m'aides, faut que tu me serves à quelque chose le bill. Ah, je vais me faire carapace rouge. Putain, le dodge! Oh, le dodge de la bleue en cinquième! Oh là là! Bravo à toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la cinquième place. Il n'y a que Yossis et Kirby Kick qui l'ont tenté la cinquième. Félicitations. Bon appétit à Caro. Il reste une place du coup apparemment. Si jamais ça vous intéresse. Ah, terrible Dib. Oh, le coup dur. Ça va venir, Aoran, ça va venir. Du coup, on est 11, hein, c'est bien ça, on est 11.
Où trouve-t-on le code? Ah, le code, je l'avais épinglé, mais il a dû se désépingler. Mais en vrai, c'est bientôt la fin. De toute façon, je vais recréer un tournoi après. Je vais recréer un tournoi bientôt. Ce sera sur Aéroport Azur. On va jouer à 11 et c'est parti. Merci Clara d'avoir reposté le code. C'est la 9ème course. En vrai, il reste 3 courses après celle-là quand même. C'est parti. J'aurais pu prendre le cut en vrai. Oh, Johan. Wow. Andax. Ah, le online est très très low hein. Oh l'avion. Ah oui, il est orange. Peut-être un orange, j'avais peut-être jamais fait gaffe. Ah, Peach va être compliqué à rattraper. On va pas utiliser. On a peut-être une chance en vrai. Non, le Champix il met bien. Ok. Bravo à toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la deuxième place. Bravo, bravo, bravo. 311 puntos. Intéressant le classement. Dib qui revient. Qui revient rechercher cette troisième place. Ah, c'est l'essentiel, Ninu. C'est l'essentiel. Ça va venir les gens à 0 points, on n'est même pas à la moitié encore. Il y a encore moyen d'aller chercher des petits points. Regardez, Vivi Dono, un seul bon prono sur l'ensemble de la soirée. Première place. Et ce sera la corniche champ. Corniche champignon de DS. Putain, il y a des circuits que j'ai trop envie de faire là. J'ai trop envie de faire le Mont Ebouli et aussi le circuit Mario de DS. Je vais créer un autre tournoi dans deux courses hein, pour celles et ceux qui demandent pour rejoindre. Dans deux courses après celle-ci, je vais créer un nouveau tournoi. Je sais pas si ça peut se front-run ça. Faut pas que je me prenne cette rouge déjà. Non, parce qu'il va me focus là. Ouais, non, en vrai c'est chiant parce que là du coup je suis sans défense pendant un moment.
Ah mais Zazatine qui a toujours la bombe hein, c'est un truc de ouf. Oh Irine, j'ai besoin de cette place. Irine qui a décidé de s'attaquer à moi, personnellement. Non mais voilà, c'est tout ça c'est de la faute d'Irine. J'étais premier, je termine 9ème, 8ème. Bizarre. J'ai appuyé bien avant, j'ai double spam exprès. C'est scandaleux, j'ai double spam exprès. Je suis 12ème. Oh là là, va falloir faire une remontada de fou là, il reste qu'un seul tour. J'espère que le cut il passe. Ben, Irine, je suis désolé, mais c'est pour tout à l'heure, j'ai pas supporté. Allez, top 2. Bravo à toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la deuxième place. Et oui, en effet, Chubby Kick, le troisième est impossible, j'ai fait top 2. Oh, intéressant le classement. Ah, top 1 impossible, Koury, là, déconne pas. Top 2 en trahissant Irine. Non, mais c'est Irine qui m'a trahi au début de la course, hein. Ok, le prochain pronostic et l'avant-dernière course de ce premier tournoi, ça sera sur Cité Sorbet. C'est parti. Salut Flo Flo. Personne part prochaine course. De toute façon, là, c'est l'avant-dernière course. Je remets un code dans le chat juste après. Juste après la 12e, il y aura un nouveau code. Montrer que l'intelligence. Merci Noway pour ton 4e mois. Merci beaucoup. Merci. Fabuleux. La map Fall Guys, bien sûr. J'ai hâte de voir ce que ça va être la nouvelle saison de Fall Guys. J'ai vu la vidéo de présentation là. Et je pouvais dire que le 10, on va faire un très gros stream Fall Guys à mon avis. Putain. À mon avis, le 10, on va faire un stream. On va commencer un peu après que la match sorte idéalement. Si j'arrive à me lever pas trop tard, on commencera vers midi et quelques idéalement. Et on fera du Fall Guys toute la journée, création de map, nouvelle map, nanani, nanana, bien sûr. J'ai que des champlars. C'est pour moi ça, vraiment? Non. Ah, j'aurais dû l'avoir. Quoi? Non mais comment il a dodge le tout là? Faut pas abuser non plus. On est un peu ambitieux ça. Hein. Oh ma bombe! Oh ma bombe terrible! Cette bombe est dramatique. Ah ouais, faire attention quand même là. Non, non, non. Oh c'est très très low. Oh c'est très très low. J'ai pas d'objet. Oh très très low. Oh là 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 là, les points qui arrivent. Alors là par contre je pourrais pas remonter, je vous le dis cash.
On aurait arrangé les objets dans l'autre sens en vrai, on va pas se mentir, mais bon. Allez, donne l'objet là. Ça va, ça aurait pu être vraiment pire. Ça aurait pu être vraiment pire, bravo à toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la 5ème place. Le mode custom qui arrive le 10, donc dans 6 jours. Le mode custom de Fall Guys arrive dans 6 jours. Oh non, la personne en bas à droite qui a raté le test de QI. On a déjà fait Pays Neigeux et Montagne Choco. La personne Éternel, à gauche aussi qui a raté. Nous parle de quoi qui nous parle d'aujourd'hui. C'est soit vous aimez bien Désert Calimari, vous prenez Désert Calimari, soit vous aimez pas, vous prenez aléatoire. Bon, en vrai, Osef, hein, toutes les maps sont bien, moi ça me dérange pas de les refaire. Merci beaucoup Didi pour ton prime et bienvenue dans ton 13ème mois. Merci beaucoup, merci. N'empêche qu'un petit désert Calimari, là, ça aurait fait plaisir. La montagne Choco, c'est quand même la 3ème fois qu'on l'a fait en 12 courses. C'est un peu chaud. Mais c'est pas grave, faites vos pronos. On a commencé par celle-là, on terminera par celle-là. On a fait une fois au début, une fois au milieu, une fois à la fin. C'est parti. Aïe. Oh merde, ça s'est pas passé comme j'espérais. J'ai eu zéro objet depuis le début, non? Ouf. Ah ouais. Bon, ça va être compliqué cette affaire. Hein. Putain, je peux même pas... Ok, j'ai eu un objet. J'ai eu un objet. Oula. Ah merde. Ah, tu. Ouais, c'est une strat, ouais. C'est pour aller plus vite. Vas-y, non, au bout d'un moment, c'est trop, hein, c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. Ça peut aider un peu, à voir. Je me rends pas compte. Ouais, ça aide un peu en vrai, hein. C'est bien. Hein. Allez, hein. Toujours des petites remontadas sur la fin. Toujours des petites remontadas sur la fin, bravo. Toutes celles et ceux qui avaient fait le prono 3. Que de rebondissements. À l'issue de cette première moitié, en première position, c'est toujours Vivi Dono avec ses 1500 points, suivi par Anja, et qui a aussi franchi la barre des 1000 points. Et il y a Phoenix en troisième avec 911 points. Beaucoup d'autres personnes qui sont pas loin derrière du tout. Et je vais créer le tournoi Annick Girardin 163. Tu fais plutôt de bonnes courses pour l'instant. Ouais, ça va, hein, franchement, ça va. Hein. Il y a eu un incident. Mais sinon, ça va. Annick Girardin
163. Je vais mettre le code dans le chat d'ici quelques instants. On va enlever Bloops. On enlève quoi d'habitude? Attendez. Mode personnalisé, il y a difficile. Période fixe, 12 courses. Ce sera sûrement le dernier tournoi de la journée. Je vous avais dit, je fais un petit live. J'enlève Bloops, Plante Piranha. Et en général, on enlève juste ça, non? Ou on enlève un troisième truc? Non, souvent, on enlève juste ça, hein. Allez, juste Bloops et Plante Piranha en moins. Pour voir. Ok. Je vous mets le code dans le chat. Hop là. Si vous n'avez pas encore joué, essayez de saisir votre chance. En rentrant le code rapidement, vous allez dans Jeu en ligne tournoi, entrer un code et vous entrez le code que je mets dans le chat d'ici quelques tout petits instants. Le voici. Pourquoi ça bug, Morin? Pourquoi tu dis que ça bug? Ah, tu peux remonter, mouton, hein. C'est vrai que tu t'es fait dépasser, mais bon, rien n'est joué encore. Ah ouais, je vais voter égout quand même, je pense. Oh, on est nombreux. Ouh là là là. 4, 8, 11. On est 11 pour l'instant. 4, 8, 11, c'est ça. J'avais été déco du précédent. Ah, bizarre. Et 12, ok. Tony qui dit ne votez pas Prono 12, je suis dans la room. Bah, des fois, il y a des surprises. Et ce sera les goûts Piranha pour commencer. Cette deuxième moitié, ce deuxième tournoi. Let's go. La première place rapporte 354, celle qui rapporte le moins c'est la quatrième avec 125 points, et celle qui rapporte le plus c'est bien évidemment la douzième avec 1432 points. Ah, il y a quelqu'un qui s'en va, bonne soirée, j'ai pas eu le temps de lire ton pseudo, désolé, bonne soirée à toi. Merde. Ouais, je me doutais que le klaxon, s'il était utilisé, j'étais dans la merde. Ok, bon objet à cet endroit-là, hein. C'est sympa, hein. Merde. Ouais. Je pensais dodge, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Mais je pensais dodge. Ouais, j'aurais peut-être dû garder petite boulasse. Oh, d'où elle me touche, ça par contre c'est abusé de fou. Quoi? Je suis abasourdi parce que je viens de vivre.
crotte. Non. Non. Bah c'est marre, je suis 12ème. Je suis 12ème. Oh la 12ème place. Oh la 12ème place. Est-ce que des gens ont tenté la 12ème place? Robot Disco. Oh, Robot Disco qui se met très bien. Bonne soirée Thomas, bon appétit. Robot Disco qui passe à la 2ème place directement. Félicitations. Et bah coucou à toi et à ta grand-mère n'importe nawak. Et merci pour le follow. Tu vois Tony, t'as fait 9, tu vois. Il y aura encore une game pour jouer avec toi? Non, on vient de lancer la dernière, mais après s'il y a une place qui se libère, tu pourras rejoindre avec le code Kirun. Mais non, on en refera pas, je pense. C'est un petit live tranquille, mais pas très long. Et ce sera la mine Wario. Allez, c'est parti pour les pronos. Alors là, les places. La première place rapporte 770. Celle qui rapporte le moins, c'est la 6ème et rapporte 123. Et celle qui rapporte le plus, c'est quand même toujours la 12ème. Même si j'ai fait 12ème, elle rapporte 837. Ok, c'est parti. Bon, c'est sportif, hein, c'est sportif. Oh, qu'est-ce qui m'a balancé? J'ai même pas vu ce que je m'étais pris. Y'a quelqu'un qui a mis une bombe, non? Non, peut-être pas. Ok. Ouais. On utilise direct l'étoile en vrai. Tellement traumatisé par le fait de perdre l'étoile en se prenant un objet ou quoi que maintenant je fais super attention. Ah ouais, la carapace rouge, elle se casse souvent à ce moment-là. Ah oh, mais, putain, le premier est tellement loin pour que j'ai ça. Ça se tentait, hein. Enfin, la personne en first qui s'est pris deux bleus et qui est toujours devant, très chaud, hein. Il m'aurait fallu une triple rouge pour avoir une chance et c'est même pas dit que ça aurait suffi en vrai. Ok. Oula. T'es qui toi? C'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien joué de se mettre là. J'ai pas pu dodge. Donc c'est deuxième place, bravo, 596 points pour bon nombre d'entre vous. Pour vivre sereinement dans la République. Merci Zèbre pour le Prime. Merci beaucoup les gens qui pensent à claquer leur Prime. Je rappelle évidemment, si vous avez Amazon Prime et que vous aimez me donner de l'argent, mais sans dépenser d'argent, n'hésitez pas à claquer votre Prime sur cette chaîne. Vous avez le droit à un abonnement gratuit par mois sur une chaîne Twitch, sur la chaîne Twitch de votre choix. Il se trouve que moi, de l'autre côté, j'adore gagner de l'argent. Donc vraiment, n'hésitez pas à claquer votre Prime. Ok, il y a une place qui va se libérer juste après, il y a Black Meek qui va quitter et ce sera Forêt Tropicale de DK.
C'est quand la prochaine vague des DLC? On ne dispose pas de l'information, mais il y a fort à parier que ce soit en juillet. Ou alors en août. Mais moi, je pense plus juillet. Ok. Je sais pas pourquoi, je trouve que cet intervalle de temps entre cette vague-là et la vague suivante qui arrive probablement qu'en juillet, je la trouve particulièrement plus longue ressentie que les autres. Je sais pas pourquoi. Oh, c'est bien vu en vrai. Ok. Je me dis, putain, on est... Elle est sortie en fin mars, hein, je crois. Hein. Ou peut-être milieu mars, je sais plus. Mais en tout cas, je me dis, putain, il faut attendre encore plus de 2 mois. C'est énorme. Ah, j'ai joué n'importe comment. J'ai tenté un truc avec... Ouais, ça, c'est chaud. Aïe. C'est terrible ce qui m'arrive. On est sur une catastrophe industrielle actuellement. Et je n'ai pas d'objet ici. Ça pourrait vraiment causer ma perte. Au moins on se prend pas cette banane, mais bon. Non, il y aura... Comment ça, il y aura un autre prono carte? Il y a encore des pronos après, ouais, mais il y aura pas de nouveau tournoi. Il y aura pas de nouveau tournoi, mais il y a encore beaucoup de courses dans ce tournoi-là, donc il y aura encore pas mal de prono cartes, Flav. Il y a exactement un an. Et merci Vivi Dono pour l'année d'abonnement, merci beaucoup, merci. Hein? Bon, il faut savoir que le niveau des joueurs qui sont ici est quand même assez élevé, hein, mine de rien. Hein. Ce n'est pas pour excuser ma pitoyable performance, mais quand même, on est face à des joueurs assez coriaces, qui ne prennent pas beaucoup de douches et qui passent beaucoup trop de temps sur le jeu, hein, je pense. Hein. Et ce sera la 5ème place, bravo toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la 5ème place. C'est moi ou il y a des builds qui durent moins longtemps que d'autres? Non, je crois que c'est réel, Aurélien. Les optimistes considèrent que ce n'est pas grave. Au contraire, c'est peut-être pas mal. Merci beaucoup, Eramiris, pour ton Prime. Merci infiniment pour ton soutien, c'est très gentil. Et ouais, Aurélien, pour répondre à ta question sur la durée des builds, il me semble que ça a un lien avec... Il me semble que ça a un lien avec le nombre de personnes que tu doubles aussi. C'est une espèce de mix bizarre entre... le nombre de personnes que tu doubles, la durée, une durée de base, etc. C'est un peu ça, je crois. Bonne soirée, Black Mick. Et effectivement, il y a 2 places qui se sont libérées. Vous êtes le roi ou la reine, ce qui en République est rare. Bien sûr. Merci, Jean Fatal, pour ton 25e mois. Merci beaucoup. Merci. On va jouer sur la route arc-en-ciel 7 et il reste 2 places dans la room. Normalement, le code devrait être affiché en haut de votre écran, même s'il est peut-être masqué par le train de la hype, puisqu'on a eu plusieurs personnes qui ont fait des donations à la suite, etc. Alors évidemment, le train de la hype, voilà, c'est le moment où je dois vous dire qu'il faut encore plus prendre un sub que d'habitude, parce que c'est le train de la hype. Voilà, c'est tout. Vraiment, vous me demandez pourquoi? Bah parce que train de la hype, donc il faut prendre des subs, il faut donner des bits, il faut offrir des subs aux gens, c'est un moment de partage. Parce que le train de la hype, voilà. J'ai pas d'explication mieux que ça, évidemment, à vous proposer. Je suis désolé la Suisse. Aïe. Ça commence à faire mal cette affaire, hein.
Bah ouais, la personne suisse n'avait pas de porte-avions aussi, on a été obligé de... Oui, on a été obligé d'agir, hein, bien sûr. Oh la banane en 3, c'est nul! Okay, on peut prendre le boost direct, c'est pas si mal. Non mais faut arrêter de me voler par contre, hein, s'il vous plaît. Je pense qu'on est dans la merde. C'est la troisième place quand même, bravo toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la troisième place. 181 points, c'est pas énorme, mais quand même, ça peut faire la différence. On voit qu'il y a des, voilà, Luigi Simpson qui gagne quand même 5 places au classement, même si ce n'est que 183 points, ça peut faire la différence. 181 points, pardon. Félicitations. Bon, allez. Désolé pour la rouge, Senshi. Tu as vaincu le Covid, Jidai, à peu près. J'ai encore 2-3 petits symptômes en vrai, mais ça va. Ça va. Mais c'est juste des fois, à des moments random, je tousse encore un petit peu. Et j'ai toujours pas retrouvé parfaitement l'odorat et le goût comme avant. Mais ça va. Je vois plus le code, je vais pleurer. Faut donner des subs. Faut donner des subs pour que le code y réapparaisse, bien sûr. Le code a été redonné juste en dessous. Hein. T'as eu la perte de goût? Bah, en fait, j'ai eu la perte de goût de genre, tu sais, t'es enrhumé et du coup, tu sens plus trop le goût, tu vois, de base. Donc, oui, mais de manière normale, comme quand t'es enrhumé, quoi. Et vous pouvez faire vos pronos à partir de maintenant sur... Comment s'appelle cette map? Je sais plus. Mais vous pouvez faire vos pronos dessus. Comment elle s'appelle cette map? Jardin... Non, c'est pas jardin. C'est... Machin céleste? Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle? C'est peut-être jardin céleste, hein, ceci dit. Voie céleste? Voie céleste, peut-être? Jardin volant? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, jardin volant. Promenade céleste? Non plus. Voie céleste, ok, c'est ça. Je me souvenais plus du tout du nom de cette map. Je crois que c'est la map préférée d'Antoine, il me semble. Moi, je suis pas très fan. Oh, Marwan. Oh! Oh, c'était tellement bien placé! Oh, c'était... Oh, cette banane! Oh, la banane la mieux placée de ma vie! Incroyable. Trop déçu qu'il y avait personne à cet endroit-là, sur ce passage. Ouais, par contre, la musique est vraiment belle, parce que la musique reprend ce passage de Super Mario Galaxy. Précis, efficace, répété. Ça reprend ce passage de Mario Galaxy qui est succulent, effectivement. Merci Blobster pour ton Prime, bienvenue dans ton troisième mois, merci beaucoup, merci. Je me suis peut-être fait voler deux fois là, effectivement, c'est possible. Ah, il a dodge en sautant dans le vide. Moi je passe par là, hein. Je passe par là et je vais bien garder mes objets, hein. Je vais bien les camper. Oh le bâtard. Il avait un truc pour se protéger, je suis dégoûté. C'est quoi ces objets broken là? Bon, un deuxième, j'ai pas ça, hein. Non, c'est bon. Je suis obligé. Putain, ça suffira pas, ça met tellement de temps.
Ça met tellement de temps à agir, c'est rouge. Bravo à toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la deuxième place, 239 points. Une marque indélébile. Que d'émotions, négatives ou positives. Il y aura un jour un historien de cela. Oui, nous vous le raconterons. Merci Christophe. Merci beaucoup Simia Brasier pour ton 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Alors là, c'est compliqué cette affaire. Hein. On va quand même mettre ça, mais compliqué. J'ai mis la plus récente, mais j'aime beaucoup ces trois maps. Une personne qui a raté le test de QI en mettant aléatoire alors qu'on a 3 bangers absolus en termes de map. Bon ok, pays fromage, je suis un peu le seul à le penser, mais pas de soucis, j'accepte. C'est mes goûts. Tu joues véhicule méta? Pas du tout, non, je joue même un peu anti-méta, on peut dire, Zanto. Puisque j'ai un truc qui est pas du tout opti pour être fort en fait. C'est juste que j'aime beaucoup F-Zero, du coup j'ai pris un carte F-Zero. Skellrex c'est un de mes personnages préférés de l'univers de Mario, si ce n'est mon personnage préféré. J'ai juste optimisé en mettant une roue et la voile, j'aime bien la voile en or parce qu'elle est sympa, ça fait un peu les trucs que tu débloques à la fin. Il y a juste les roues où j'ai un peu pris des roues bien pour optimiser un peu, mais sinon c'est pas du tout OP. Oula, c'était un peu tôt ça, hein, cette affaire, hein. Ce virage là. Oh la boule va me faire chier. Ok. Allez, on envoie tout devant en espérant qu'il se passe quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on met la pire bombe de l'histoire? Bon, moi je suis prêt. Putain, il a bougé le salaud. La bombe d'accueil, c'est pas mal. Hein. Je suis un gamin. Pas grave. Ok, ils ont de la rouge, je vais m'en prendre une. Il me reste un champix, on va pouvoir redémarrer rapidement, voilà. On garde un champlard jusqu'au dernier moment, au cas où il nous arrive une merde. Il est où le Gus là? Il y a une bombe en plus. Oh, elle est criminelle sa bombe. Trop bien joué. Elle m'a foutu les jetons. Et en plus maintenant il va me faire chier avec sa verte. Non par contre ça c'est abusé. Vas-y, j'ai spammé exprès pour pouvoir sortir ma rouge, mais le jeu est de temps, je suis désolé Tite Loutre. Ouah, Tite Loutre qui... Ah oui d'accord, ok. Ouais, je me fais un peu karma, j'ai l'impression quand même. Hein. Ah ouais, je suis. D'accord, ok, je suis 8ème. Oh, le karma est instant. Je sais pas comment on. Merde. Ça va être une quatrième place. Bravo à toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la quatrième place. 148 points pour vous. Et ça fait quand même des petites modifs dans le classement, même si le top 8 ne bouge pas. On a quand même des petites modifs. C'est Petite Loutre qui est en tête? Non. C'est qui est en tête sur le... J'ai pas eu le temps de voir. Attendez, mais je peux aller voir sur le site pronocarte.com. Je peux
peux complètement aller sur pronocarte.com et regarder le résultat. Je sais pas si c'est actualisé directement ou s'il y a un petit délai. Mais si, ces petites loutres en tête avec 1525 points. J'avais même pas fait gaffe que petite loutre était passée devant Vividono et Robo Disco, évidemment. Et bah comme quoi, vous voyez, petite loutre qui joue pas des... Petite loutre de mémoire, tu joues pas des trucs spécifiquement... genre tu joues pas des trucs ultra élevés ou ultra bas, genre du prono 12 ou quoi. Comme quoi, vous voyez, ça peut être méta et intéressant de jouer des cotes énormes, mais ça peut aussi être cool d'être un peu régu, etc. Ça peut aussi le faire, quoi. Et ce sera Mute City. On démarre la deuxième moitié de ce... deuxième tournoi. Ah ouais? Non. Déjà, pourquoi on a eu ça comme objet en premier, deuxième, on a eu Carapace Rouge et le klaxon, c'est quoi ça? Ça n'existe pas. Bon, on va essayer de cut comme on peut. Ouais, je pense qu'il faut cut malgré... C'est toujours dommage de se passer d'un objet, mais je pense que là, c'est notre meilleure chance. Hein. Ah, vas-y, il fallait... Forcément, je me fasse voler mon truc, puis pousser, évidemment. Bon, rien n'est joué. Même si ça va être dur de reprendre de l'avance maintenant. J'utilise direct au cas où il y a une foudre ou un truc dans le genre. Bon objet. Oula, le bordel. Thomas, il a peut-être rien en vrai. Hein. C'est ainsi, il a un klaxon, il fait chier. Hein? What the fuck? Quoi? C'est trop... Vas-y, c'est trop chiant de jouer léger en vrai. C'est trop chiant de jouer léger. J'étais premier. Non. J'étais premier toute la game. Pas du tout. Cette fin était pas mal, hein, par contre. Hein. Cette fin était plutôt pixel. Bravo pour vos 316 points, Ronflasque, Lenny et... J'ai pas le temps de lire vos pseudos. Mimi, Eramiris, Sora. Je crois que j'ai dit tout le monde. Hein. Epito. Bravo pour vos 316 puntos. Oh, je vais pas voter ça, quand même. Non, je vais pas voter ça. Je suis désolé, je vote pas ça. J'ai volé ta carapace rouge avec mon bout. Ah, c'était toi, Luigi. C'est normal car il y a deux objets retirés, du coup ça a détraqué la RNG. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup d'impact sur la RNG. Tu aurais un combo full meta à donner, JD? Non, pas du tout. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube pour ça. Hein. T'as plein de trucs sur YouTube de team e-sport Mario Kart très doué qui te donne les combos les plus OP avec depuis qu'il y a la nouvelle méta, là. Depuis qu'ils ont fait l'équilibrage dans la dernière match. T'as retiré quoi comme objet? J'ai retiré le bloop, c'est la plante piranha. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dessus alors que clairement j'ai vu qu'il avait ça. Hop.
Ouais. Ça peut se tenter en deux. Genre, hop. Putain, c'est unlucky ce. Ce boomerang là était très unlucky. Je suis en plein sur la trage de la bleue. Bravo à moi. Ouais, du coup là on skip l'objet en faisant ça, c'est ça? D'accord, on skip le skill aussi bien sûr. Je suis à chier, je sais pas prendre cette ligne correctement. En même temps, c'est des raccourcis, tu les prends tellement peu souvent que je les ai pas encore bien appris. Hein. Ça fait beaucoup là quand même. Sixième, bravo à toutes celles et ceux qui avaient pronostiqué la sixième place. 196 points pour Logis. Juste Logis. Bravo. Oh, pitié. Coucou, Novae. Alors t'arrives pas pour la fin, mais presque. T'arrives pour vraiment la dernière partie, puisqu'on va encore faire 4-5 courses avant la fin du live. Oui, le quiproquo porté au rang d'art suprême du rire. Merci Kiwi pour ton prime. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, merci. Pourquoi tu as spécifiquement enlevé ces objets? Désolé, je débarque, parce que je les aime pas. En gros, hein. En vrai, la plante piranha, je trouve vraiment que c'est un objet chiant, parce qu'il est pas fort, mais en plus, il te bloque ton slot d'objets. Donc je trouve que c'est vraiment le pire objet, objectivement. Le bloops, c'est juste, il est no fun cet objet quoi. Celui-là, c'est vraiment, t'es pas content quand tu l'as parce que tu vas vaguement faire chier les autres, mais. Enfin, je sais pas, c'est juste du non fun quoi. Il y a longtemps, je t'ai vu, Lila, tu prenais des sushis. Alors, ce qui est quand même très étrange parce que je n'aime pas les sushis. Donc, c'est très bizarre, vraiment, je n'ai. C'est très étrange. Ok, c'est parti. Ouais, je sais qu'on peut. On peut spam un peu la plante, mais bon. Un peu tendax, ça, mais ça passe. Bon, là, va falloir. Putain, déjà! Forcément, je me la prends. C'est pas mal. Merde. Ouais, par contre la banane en 4, faut peut-être pas abuser non plus. Peut-être que le jeu me respecte un peu, ça pourrait faire du bien. Ah, j'aurais eu le temps ça. Non mais la carapace en 5 maintenant.
Ouais, il y a une banane, je conserve. Je conserve mon objet pour me défendre. Il y avait une banane et une carapace. Non, mais vous avez vu la carapace, elle a fait un jump. Elle a fait un jump sur la map, la carapace. C'est abusé, non? Est-ce que vous avez vu la carapace se TP? Non, mais s'il vous plaît, je veux bien être gentil, mais pas quand même, s'il vous plaît. Ah, le jeu, il m'a vraiment pas respecté là-dessus. La carapace, elle s'est TP juste. Hop, alors là, oh, le test de QI. Le test de QI est légendaire. Ok, oh, trois personnes... Oh là là là. Oh là 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 là. Ah ouais, ok, Flint, ouais, peut-être. Ah, au moins 6-7 ans, je pense. Hein. Peut-être plus, quand même. 4 personnes, donc un tiers de la room qui a pas réussi le test de QI. C'est parti. Île de Yoshi quand même. Boum, 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 boum. La musique est trop bien, ouais, de fou. La musique de fin aussi. La musique de l'écran des résultats est incroyable. Un peu large cette affaire. Ah, il a réussi à l'avoir. Ah, je te régale, hein, salaud. Ah, je le régale, le salaud devant, là. Et il me balance ça pour me remercier. Non, mais attendez, vous avez vu ça un peu? C'est abusé, ça, par contre. Je fais un début de game incroyable et je me fais niquer comme ça. Je suis dégoûté. Non, mais non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Désolé. Ouais, je crois que la musique de l'écran des résultats, on va pas l'entendre longtemps, hein, je vais pas mentir. Chier. Oui, je vais m'en prendre une, oui, évidemment. Oh non, je me suis fait voler, c'est trop. L'endroit parfait pour faire un petit cut, là. Non, 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 c'est trop. Franchement, c'est trop. Y'a pas le cut, si y'a le cut. Ils ont des builds derrière. Je peux rien faire, ils ont 3 builds. Je peux faire... Et alors lui, je sais pas pourquoi je le touche, ça fait rien. Aïe. Oh, Vividono. Oh là là, la remontada de Vividono. Avec cette 11ème place, Vividono qui se met extrêmement bien, c'est presque tout du tout cuit. La remontada que personne n'attendait. Non mais là, je me suis pris... je me suis fait Mario Kartet, quelque chose de très sévère, hein, quand même. Hein. J'ai fait un T1 magnifique. Rien pu faire sur la suite, vraiment. Rien pu faire du tout. Vividono, elle naît bien creux, et oui.
Et ce sera la dernière course de la soirée, dernière course du stream. Ça aurait été un stream assez court, hein, encore une fois, mais comme prévu, hein, y a pas de surprise à ce niveau-là. On va terminer par Metro Turbo. On va terminer par Metro Turbo. Avec... Eh, c'est pas la dernière course, c'est l'avant-dernière, c'est l'avant-dernière, my bad, my bad. Avant-dernière course. On fera prolonger le plaisir. Il y aura encore une course après celle-ci. Bon là, c'est compliqué pour les pronos. Vous pouvez toujours viser le podium, la deuxième place, la troisième place, mais la première... En soi, la première est vraiment possible, par contre. La première est vraiment... C'est possible en soi, mais c'est peu probable en fait. Aïe. Ça va être chiant ça. Ouais, c'était chiant. Ouais, j'étais un peu gourmand là-dessus. Ouais, dixième quand même. J'ai fait de la merde en utilisant le champi d'abord. J'ai spammé en espérant que ça soit un truc pour se protéger. En fait non. Ça c'est pour ma gueule. Non. Vas-y, cet objet me sert à rien. Tellement mort là, j'ai vu les trois carapaces, j'ai fait vas-y. J'ai fait de la merde, c'est ciao. Et je me fais trop voler hein, par contre, hein, c'est très grave. Eh bien, 7ème, ça rapporte pas énormément, 7ème. 139 points seulement. Aïe 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 aïe. Ok, la dernière course cette fois pour de vrai. L'ultime course, ce sera du aléatoire pour moi, évidemment. Ultime course de ce soir, et ce sera... Circuit d'Hyrule, pour terminer. Let's go. Forcément.
Très grave. Terrible. Ah, je pensais qu'il me touchait pas là. Ouais, le problème c'est que là... Ouais. Franchement, ce cut est sympa, mais le fait de pas avoir d'objet à cet endroit-là, ça rend vraiment les choses compliquées, je trouve. Et ce sera la sixième place pour terminer. Voici le classement final au-dessus de ma tête. En première place, c'est donc Vivi Dono, hein. Félicitations, suivi par Petite Loutre. Angelo en troisième, bravo pour le podium. Il y a Robo Disco, Lenny, Warionette, Luigi, Phoenix, etc., etc. Félicitations tout le monde, vous avez très bien joué de très très beaux pronos ce soir. Évidemment, Vivi Dono qui a pris l'avantage grâce à deux pronos 11. Alors c'est quand même, fallait quand même parier dessus parce que c'est vraiment pas tous les jours que ça arrive un truc pareil. On est quand même sur un truc relativement rare. Hein. Donc, félicitations. Et les compteurs seront remis à zéro pour la prochaine fois qu'on joue à PronoCart, bien sûr. Et puis voilà. Je suis reparti m'entraîner. Je pense que j'ai 5 ans à rattraper avant d'arriver à dépasser la 9ème place. En vrai, c'est un peu dur de débarquer, enfin de rattraper le retard potentiel sur Mario Kart 8 Deluxe. Dans le sens où c'est un jeu qui est sorti en 2014, Mario Kart 8. Et donc, 2014, le jeu a 9 ans, quoi. Donc, c'est vrai que quand tu t'y lances avec un peu de retard, c'est compliqué. Mais pareil, en vrai, je trouve que Fall Guys, que je streamerai le 10 à peu près toute la journée à partir de l'après-midi, je vous le rappelle. Je trouve que Fall Guys, c'est un peu pareil. Fall Guys, si tu débarques dedans maintenant, c'est vraiment dur. Si tu joues contre genre la commu, de, genre si c'est un streamer, il met en mode commu, c'est qu'il n'y a pas de rank. Je trouve que c'est un peu pareil, c'est hyper dur de débarquer dans certains jeux maintenant. Merci beaucoup de m'avoir suivi ce soir, j'espère que vous avez passé un bon live, même si c'était relativement court. Nightbot vient de poster dans le chat un lien vers la chaîne Super JD Sunshine sur laquelle je upload chaque jour une nouvelle vidéo. Toujours un temps fort de cette chaîne Twitch. Environ 2 jours sur 3, c'est une game Among Us, mais il y a aussi d'autres trucs comme des hacks de Mario 64, des circuits de Trackmania, des parties de GeoGuessr, des parties de Mario Party, du Fall Guys parfois, du Mario Kart quand il y a des nouveaux DLC qui sortent. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. La chaîne Super JD Sunshine sur YouTube. Et quant à nous, on se retrouvera. Probablement, je referai un live avant dimanche, mais je sais pas. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Ça se trouve, ce sera que dimanche. Je n'en sais rien. Mais voilà, on verra bien. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu et que vous avez passé une bonne soirée. Un bon début de soirée en ma compagnie. Je vais vous envoyer chez... Qui c'est qui stream ? Il y a plein de gens qui stream en vrai. Il y a As de Pique qui est sur Minecraft, probablement entraînement Zilan, j'ai l'impression. Je peux vous envoyer chez As de Pique. Allez. Faisons ça. Et bah écoutez, à demain ou après-demain, je sais pas encore, et je sais pas ce qu'on fera, mais voilà.
Et puis, bon, il y aura sûrement du Among Us dimanche, à confirmer, mais normalement, il y aura du Among Us dimanche. Et la semaine prochaine, ben, on aura notamment du Fall Guys. Du coup, à partir du mercredi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. À partir du mercredi, pas mal de Fall Guys. Le raid va arriver. Hop là, voilà. Le raid va être lancé quelques secondes après l'apparition de l'écran de fin. Bien sûr. Soyez sages chez As de Pique. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. De gros bisous. Ciao.